Mes frères bien-aimés, Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Dieu est parmi nous. Dieu marche avec nous. Nous allons permettre aux anciens qui dirigent les zones de se succéder ici pour dire comment Dieu a été à l'œuvre dans l'Église en coordonnant la conquête dans chaque zone cette année. Alléluia. Praise the Lord. Donc, soyons attentifs. So let us be attentive. Écoutons le témoignage de chaque ancien. Let us listen to the testimony of each elder. De la manifestation de la puissance de Dieu et de la présence de Dieu dans chaque zone. About the manifestation of the power of God and the presence of God in each zone. Dieu a agi. God acted. Et il y a de grands témoignages. And there are great testimonies. Suivons ensemble. Let us follow together. Pour savoir comment rendre grâce à Dieu. Just to know how to give thanks to the Lord. Comment célébrer le Seigneur. How to celebrate the Lord. Pour son œuvre parmi nous. For his work in our midst. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. Nous appelons à cette tribune le pasteur Lombé de la zone de Yopougon. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. We would like to call here Pastor Lombé from the zone of Yopougon. Let us clap for the Lord Jesus. J'appelle ici les anciens. I'm calling here herders. Ils sont dans la zone de Yopougon. From the zone of Yopougon. Les futurs anciens. Herders to be. Les dirigeants de sous-centres. Leaders of sub-centers. Vous venez avec vos épouses. Come with your wives. Et vous devez vous exercer à écouter la bonne nouvelle. You need to train yourself to listen to good news. Quand quelqu'un est parti au front. When someone has gone to the battlefront. Contre les démons et contre le diable. Against demons and against the devil. Quand il ramène la bonne nouvelle. When he brings back good news. On doit acclamer Jésus-Christ. We must clap to Jesus Christ. On doit acclamer Jésus-Christ. We must clap for Jesus Christ. Parce que nous ne sommes pas dans un temple des idoles. Because we are not in a temple of idols. Nous sommes devant le Dieu Tout-Puissant qui travaille parmi nous. We are before the mighty God who is walking in our midst. Pasteur Lombé, redis ce que tu viens de dire. Pastor Lombé, say what you just said a while ago. Peut-être qu'ils n'ont pas bien compris. Maybe they did not understand. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Je disais que je bénis le nom du Seigneur. I was saying that I bless the name of the Lord. Qui a été avec nous. Who has been with us. Durant l'année 2020. For the whole year. On devra acclamer ça. We need to clap for that. Alléluia. Praise the Lord. Avec sa grâce. With his grace. Et grâce à cette équipe dynamique qu'il m'a donnée. Due to that dynamic team that has given to me. Dans la zone. In the zone. Il a agi puissamment. He acted mightily. Acclamons très fort pour le Seigneur. Voilà. Acclamation à Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Dans la zone de Yopougon. In the zone of Yopougon. Le Seigneur nous a bénis. The Lord has blessed us. Nous avons les sous-centres. Travail. We have some centers which work. Et nous avons 13 sous-centres. And we have 13 sub-centers. Qui me rendent compte directement. That gives an account to me directly. Le premier sous-centre. The first sub-center. Le sous-centre de Jérusalem. The one from Jerusalem. Est dirigé par la sœur Marguerite Lombé. Is led by Sister Marguerite Lombé. Elle a un troupeau de 194 disciples avec 10 assemblées. She has 194 disciples plus 10 assemblées. Le sous-centre de Jesco. The sub-center of Jesco. Est dirigé par le docteur Lydie Gwe. Is led by Dr. Lydie Gwe. Alléluia. Praise the Lord. Je voulais préciser. I would like to precise et nous avons commencé l'œuvre à Yopougon le 31 octobre 1999.
I would like to present that we started the work in October 31st, 1999. Lorsque notre leader est venu implanter la première assemblée. When our leader came to plant the first church. Et le 5 novembre l'an 2000. And November the 5th, 2000. Le Seigneur nous a accordé la grâce de multiplier en implantant la deuxième assemblée. The Lord has given us the opportunity to multiply by planting the second church. Et la sœur Lydie a été établie comme dirigeante principale de cette deuxième assemblée. And Sister Lydie was established as the main leader. Le 5 novembre l'an 2000. November the 5th, 2000. Aujourd'hui, elle a un troupeau de 382 disciples. She has 382 disciples. Avec 23 églises de maison. With 23 house churches. C'est un pasteur puissant. She's a mighty pastor. Alléluia. Nous avons le grand sous-centre de LEM. We are the great sub-center of LEM. Dirigé par le pasteur Oka Emolo. Led by Pastor Oka Emolo. Il n'est pas encore arrivé. Mais acclamons. Yes. Let's clap. Le pasteur Oka. Pasteur Oka. A un effectif de 1533 disciples. Yo. Yo, 1433 disciples. Avec 50 Église de maison. With 55 house churches. Nous rendons grâce à Dieu parce que. We thank God because. C'est un courrier efficace. Is an efficient co-worker. Le sous-centre de Trois Rouges. The sub-center of Trois Rouges. Est dirigé par le pasteur Bapol. By Pastor Bapol. À côté d'un homme, un grand homme se trouve toujours une grande femme. Beside a great man, there is always a great woman. Le pasteur Ba et la sœur Sophie Ba. Pasteur Ba et sœur Sophie Ba. Leur troupeau. Their flock. Compte à ce jour 660 disciples. Is 600 disciples. Et ils ont 33 assemblée, 33 églises de maison. Then they have 33 house churches. Le sous-centre de Banco 2 est dirigé par le frère Zoro Frédéric. Le sous-centre de Banco 2 est led by Pasteur Zoro Frédéric. Le pasteur Zoro Frédéric et son épouse. Pasteur Zoro Frédéric et his wife. Ont 279 disciples dans le troupeau. There are 279. Et ces 279 brebis adorent dans 11 assemblées. The 279 worship in 11 house churches. Le sous-centre de l'antenne est dirigé par le pasteur Yao Yao Gérard. Is led by Pastor Yao Yao Gérard. He has not come yet. Avec un effectif de 361 disciples. We have a flock of 361 disciples. Il adore dans 9 assemblées. We worship in 9 house churches. Le sous-centre d'Andokwa. The sub-center of Andokwa. Est dirigé par le pasteur Keke André Michel. Is led by Pastor Keke André Michel and his wife. C'est un sous-centre qui n'est pas facile. Which is not easy. Nous y étions. We were there before. Avec 6 assemblées. With 6 assemblées. Et toutes les assemblées avaient pratiquement fermé. And all the house assemblées almost closed. Le premier dirigeant que nous avons envoyé là-bas est parti. The first leader that was sent there. Le deuxième dirigeant est parti. Backslid. The second one backslid also. Et nous avons envoyé le couple Keke. Saint couple Keke. Qui s'est installé et par la grâce de Dieu, ils sont aujourd'hui à 85. Avec 2 assemblées. With 2 assemblies. Le frère Keke Michel est aussi le dirigeant de la jeunesse dans la zone. Brother Keke is also the leader of the youth in the zone. Alléluia.
Praise the Lord. Le sous-centre de Niangon Nord est dirigé par le pasteur Kwasi Martin et sa femme. Is led by Pastor Kofi Martin and his wife. Avec un effectif de 109 brebis. A number 109 disciples. Qui adore dans 5 assemblées. Who worship in 9 assemblies. Glorieux 1. Glorieux 1. Est dirigé par le frère Adji Koudou Christian. Is led by brother et son épouse. And his wife. Ils ont 259 brebis. They are 259. Avec 9 assemblées. With 9 assemblies. Le sous-centre d'Adiapoto. Adiapoto. The sub-center of Adiapoto. Est dirigé par le frère Ake Denis et sa femme. Is led by brother Ake Denis and his wife. Ils ont 104 disciples. They qui adorent dans 8 assemblées. 104 disciples who worship in 8 assemblées. Abadjan Doumé. Abadjan Doumé est dirigé par le frère Kakou Afi Baudelaire et son épouse. And his wife. Ils ont 89 brebis qui adorent dans 5 assemblées. And 89 who worship in 5 assemblées. Le sous-centre de Pika 22. Le sous-centre de Pika 22. Andokwa. C'est là-bas que nous avions envoyé nouvellement le couple Jacket. Is over there that we sent newly the couple Jacket. C'est un nouveau couple missionnaire issu de la dernière génération. A new missionary couple who come from when. Et le Seigneur a rappelé le frère Jacket à lui. And brother Jacket died. Quand le Jacket partait au ciel. When Jacket was going to heaven. Ils avaient une assemblée. They had one assembly. Et la sœur a continué la conquête. And sister continued the conquest. Aujourd'hui, ils sont 44 brebis avec 4 assemblées. Today there are 44 assemblies. Le sous-centre de Koweït. Le sous-centre of Koweït. Le dirigeant que j'avais envoyé là-bas a été béni. The leader that ascended has been blessed. Avec le succès d'un concours. He succeeded to a test. Il a été affecté à l'intérieur pour travailler. He has been posted in the upcountry to work. Et pour le moment, je suis le dirigeant qui coordonne l'œuvre là-bas. And for the time being, I'm the leader of the work over there. Jusqu'à ce que je trouve quelqu'un. Until I find someone. Alléluia. Praise the Lord. Nous avons là-bas 588 brebis. We are over there. 588. Avec 26 assemblées. With 26 assemblies. Alléluia. Praise the Lord. L'année passée, enfin, le 1er janvier 2020. January the 1st, 2020. Nous étions. We were 4191. 4191. Et à ce jour. And up to now. Nous sommes 4689. We have 4689. Nous avons connu une croissance de 498. We have a growth of 498. Nous avions commencé l'année avec 145 églises de maison. We had 145 house churches. Ce matin, non, ce soir, nous avons implanté la 201e assemblée. Visibly, we have planted the 201 assembly. Donc une croissance de 56. So a growth of 56. Alléluia. Praise the Lord. Je vais appeler le pasteur Bruce Severin. Are you calling brother Bruce Severin? Le pasteur Basile. Brother Basile. Yonsia et le pasteur Yaoré. Brother Basile, Yonsia and brother Yaoré. Ils sont là. Are they present? Le pasteur Yaoré
et le pasteur Basile Brou Séverin sont des anciens ordonnés. Ordained elders. Et vous voyez que vous n'avez pas entendu leur nom. You hear that you have not heard their sous-centre. You have not heard their names as leaders of sub-centers. Mais ce sont des dirigeants de sous-centre. But they are leaders of sub-centers. Avec la sœur Marie-Louise, elle est où? With sister Marie-Louise. Where is she? In fact, ils travaillent avec le pasteur Oka. They work with Pastor Oka. Nous avons été enseignés par notre leader. We have been taught by our leader. Que dès qu'on nomme quelqu'un sur une assemblée, when he's appointed over an assembly, on a libéré son ministère. His ministry has been liberated. Et on l'aide à grandir, à coucher les enfants. And we let him bear children. Et à coucher les assemblées. And bear churches. Et les assemblées qu'il va coucher. And churches that are going to be planted. Font partie de ses assemblées. Are part of his assemblies. Son ministère grandira en fonction de la manière dont il travaille. Is it means if you grow up according to the way it works? C'est comme ça que le frère Oka avait été établi. This is how Brother Oka has been established. Dirigeant de l'assemblée numéro 3 à Yopougon. Leader of assembly number 3 in Yopougon. Et le pasteur Basile, le pasteur Bruce Severin. Un pasteur Basile. Le pasteur Oka. Le pasteur Nyaoré. Un pasteur Nyaoré. Et la sœur Marie-Louise. Un sœur Marie-Louise. Vous ne citez que ceux-là. Était avec lui au début. Were with him at the beginning. Et on les a établis chacun sur une assemblée. And they were established each one of them over one assembly. Donc, à partir de l'assemblée sur laquelle on les avait établis. So from the house church upon which they were established. Chacun a travaillé. Each one of them worked. Sous l'autorité du pasteur Oka. Under the authorship of Pastor Oka. Et la sœur Marie-Louise Yao. And sister Marie-Louise Yao. A aujourd'hui un secteur de conquête. Un secteur de conquête. She has a sector of conquest. Qui est un sous-centre. Which is a sub-center. Avec 268 brebis. With 268 et 14 assemblées. And 14 house churches. Le pasteur. Le pasteur Bruce Severin. Pasteur Bruce Severin. Est le dirigeant de millionnaires. He's the leader of millionaires. Il a 192 brebis. He has 192 sheep. Qui adore dans 9 assemblées. Who worship in 9 assemblies. Le pasteur Basile Nyoncian. Pasteur Basile Nyoncian. Est le dirigeant du secteur de CIE. He's the leader of the sector of CIE. Il a 640 brebis. Il y a 640 sheep. Avec 12 églises de maison. With 12 house churches. Le pasteur Nyoncian Nyaoré Bertin. Pasteur Nyaoré Bertin. Est le dirigeant du secteur de Sidesi. Of Sidesi, the leader of Sidesi. Et il a un effectif de 302. And he has a flock of 300. Qui adore dans 11 églises de maison. Worship in 11 house churches. Cette précision était importante. This precision was important. Parce que ce sont des couvriers efficaces. Because they are efficient co-workers. Mais c'est important de dire que c'est dans le développement du ministère du pasteur Oka. But it's important to mention that it was under the development of the ministry of Pastor Oka. Que qu'ils sont nés. That they were born. Donc, eux ils rendent compte directement au frère Oka. So they give direct account to Brother Oka. Et le frère Oka me fait le compte rendu pour que ça monte chez le leader. And Brother Oka give account to me for me to send them to. Et c'est the comme leader. Ça que nous fonctionnons dans toute la zone et dans tous les sous-centres. This is how you work. In the whole zone, in all the sub-centers. Comme ils sont des anciens, c'est pour ça que je les ai présentés. Sinon, il y en a plein. Since they are elders, this is the reason why I introduced them. Il y en a qui ne sont pas encore des anciens, mais qui ont mis assemblées. Some are not yet elders, but they are already 10 house churches. Alléluia. Praise the Lord. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. May God bless you abundantly. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Acclamez pour le Seigneur. Clap for the Lord. Thank you.
espérance. Au niveau de la prière. At the level of prayers. Non, pas pu faire le point. We are not be able to make an la account. La prière. Or the prayer. Que les dirigeants, les anciens et les dirigeants de sous-centre investissent. That leaders and elders and leaders sub-center invested. Mais la sœur Marguerite Lombé. But sister Marguerite Lombé. Elle tient l'équipe de prière pour la conquête de la zone. She's been leading the team of the conquest for the zone. Son équipe et elle. Her team and she. Et les différentes chambres de prière que nous avons dans la zone. And different prayer chambers that we have in the zones. Ont investi pour la conquête de la zone et pour la conquête d'Abidjan. Invested for the conquest of the zone and for the conquest of 20, Abidjan. 21,171 heures 6 minutes. De prière. 21,171 hours of prayer. Alléluia. Praise the Lord. Au niveau du jeûne. At the level of fast. Les frères jeûnent beaucoup. Brothers fast a lot. Mais nous avons pu retenir seulement le jeûne pour le ministère. But we just make an account of fasting for the ministry. Qui avait commencé le 12-10e mois l'an 2020. We started on October 12, 2020. Et a pris fin le 20 novembre. And ended on November the 20th. Il y a eu 837 frères qui ont participé à ce jeûne-là. We have 300 brothers who... 837. 300 brothers who fasted. Et parmi... C'est 837. Et mon 837. 104 frères ont fait 40 jours complets. 104 brothers fasted 40 days. Et de 1 à 39 jours. Then from 1 to 39 days. 733 frères. 733 brothers. Alléluia. Praise the Lord. Dieu nous a bénis avec les emplois. God bless us with job. En tout, nous avons eu 57 frères qui ont trouvé l'emploi cette année. You found 55 brothers who found a job this year. Alléluia. 43 frères ont été embauchés dans le privé et 14 ont eu les concours pour travailler dans le public. 33 brothers were employed in the private sector and 40 people succeeded to the public sector. To be civil servants. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Nous avons eu aussi les mariages. We had also marriages. Dieu nous a bénis avec 21 mariages que nous avons célébrés. God bless you. 21 marriages. Qui parle de mariage parle aussi d'enfants, n'est-ce pas? We talk about marriage, talk also about birth. Dieu nous a bénis avec les grossesses et les naissances. God bless you. Pregnancies. And birth. Nous avons eu 38 naissances, 38 naissances. We have 38 births. Alléluia. Praise the Lord. Dieu nous a bénis aussi avec les diplômes. God bless us with diplomas. Parce que nous suivons les frères, nous nous rassurons qu'ils réussissent aussi à l'école. Because you take care of brothers to make sure that they also succeed at school. 24 frères ont eu le BPC. 44 brothers got the junior 27, high school certificate. 27 ont eu le bac. 27 got the senior high school diploma. 11 frères ont eu le BTS. 11 brothers got the higher vocational certificate. Et un frère a soutenu sa thèse and one brother, de doctorat en philosophie. And one brother defended his thesis in philosophy. Nous avons encouragé les frères à donner à Dieu et à l'œuvre de Dieu. We encourage brothers to give tithes and to give offerings to the work of God. Nous sommes so, à 186 sommes. We are 156 millions. 090,500 que nous avons donné à l'œuvre et à que nous avons donné à Dieu et à l'œuvre de Dieu cette année. And 450,000 this year. L'année prochaine, ça va exploser. Next year, you are going to parce boost que tu viens de dire aux frères que l'année prochaine, zéro vol
de Dieu. Because I'm telling you, brother, next year, no theft of God's money. Nous allons et pour que tous ceux qui volent Dieu se repentent et qu'ils changent. We are going to work out so that all those who have been stealing from God will repent. Et qu'ils deviennent des donateurs fidèles. And become to faithful donors to God. Et l'œuvre ne manquera pas de moyens pour avancer. And the work will not lack money. Alléluia. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Nous disons merci au Seigneur pour the sa main Lord, puissante. For his mighty hand. Il nous a guéris. He has healed us. Il nous a protégés. He has protected des us. Des incidents et des accidents. From unfortunate things. Il a protégé les frères de l'épidémie du coronavirus. He has protected brothers from the pandemic, the COVID-19 pandemic. Même les quelques frères qui ont été testés positifs. Even brothers who were tested positive. Ont été guéris. Were healed. Acclamez pour le Seigneur. Acclamation. Nous allons juste relever deux miracles que tu as opérés. We are just going to mention two miracles operated by God. Si le frère d'en haut Jean-Marie est là, il monte sur l'estrade ici. His brother d'en haut Marie present, she comes to the platform. Si la sœur Angèle Nyeki est là, qu'elle monte sur l'estrade ici. Si sœur Angèle she's present, she comes to the platform. C'est là que nous allons terminer this notre compte rendu. We are going to hand our account. Le frère d'en haut Jean-Marie. Brother d'en haut Jean-Marie. Pendant qu'il arrive, where is coming? Le frère d'en haut Jean-Marie, frère d'en haut Jean-Marie, est un frère qui a été délivré de 11 ans de perte de mémoire. I've been delivered from memory loss for 11 years. Écoutez, écoutez son histoire. Let's listen to his history. Frère, cours. Brother, run up. Le frère allait à l'école. My brother was going to school. Il a été obligé d'arrêter les études au CM2. He was obliged to stop his study at the sixth grade. Depuis 2006. Since 2006. Parce qu'à un certain moment, because at a certain moment, il n'arrivait pas à lire. He could not read. Et il n'arrivait plus à retenir quoi que ce soit. He could not bear anything in his mind. Donc obligé d'abandonner les études. So he was obliged to stop his study. Et en 2017. Then in 2017. Il rencontre Jésus-Christ à la CMCI. He met Jesus Christ. Alléluia. C'est pas une bonne nouvelle. Is it not a good alors, news? Alors pourquoi vous n'attrapez pas? Why don't you clap for the Lord? En 2017, le frère rencontre le Seigneur. Il se pend de ses péchés, il se fait baptiser. He repented from sin, he got baptized. Il est délivré, brise ses liens. He's delivered when he has his ties be broken. Dieu restaure sa mémoire. God restore his memory. Dieu restaure. God restore his memory. Alléluia. Il est allé s'inscrire pour faire le cours d'alphabétisation au temple. He got to go register to make adult literacy. Ça fait déjà 2 ans. Now 2 years. Il est surpris. He's surprised. Des merveilles du Seigneur. From the marvelous things done by the Lord. Il est le premier même dans sa promotion. He's the top of his promotion. Alléluia. Le frère réussit à lire correctement. The brother could read correctly. Et le plus grand miracle. And the greatest miracle. C'est que Dieu non seulement a restauré sa mémoire, mais lui a donné une grande capacité de rétention. Not only his memory was restored, but God gave me a great capacity of retention. Il s'est engagé à retenir la Bible, les livres de la Bible. He committed himself to bear in mind the Bible. Il a commencé par le livre de Jean. He started by the book of John. Aujourd'hui où je vous parle. Today, why I'm talking to you. Les 6 premiers chapitres de Jean dans sa tête. He had the first 6 chapters of John in his mind. Les 6 premiers chapitres de Jean. The first 6 chapters of John. Alléluia. Praise the Lord. Si le temps n'était pas contre nous. If it wasn't because of the time. Je lui laissais le micro. I could have given him the microphone. Le frère allait commencer par Jean 1, verset
Citer jusqu'à Jean chapitre 6 au dernier verset. To recite from John chapter 1 verse 1 to John chapter 6. N'est-ce pas un miracle ça? It's not a miracle. Opérez ce miracle. Le Seigneur Jésus-Christ qui fait l'acclamation. Alléluia. La sœur Angèle Nyeki. Sister Angèle Nyeki a été délivrée. Il est là avec son mari. She's frère Nyeki, Didier. Husband. A été délivrée d'une grande attaque de la sorcellerie. C'est habitué from a great attack of witchcraft. Son témoignage est long. À cause du temps, je parle dans le micro. Her testimony is very long, but because of time limit, I'm not going to give her the microphone. Le dirigeant de Sub-Zone, c'est le frère Kofi Martin. The leader of Sub-Zone is brother Kofi Martin. Alléluia. Praise the Lord. La sœur a une fille aînée. This is the other eldest girl. De environ 17 ou 18 ans. Of about 7 or 8 years old. Et quelques, malgré toute la bataille pour que cette sœur, cette petite fille donne sa vie à Jésus, elle a refusé. Despite all the effort made for that girl to give her life to Jesus, she refused. Elle allait se promener, elle a pris une grossesse. And she went to go around and she got pregnant. La sœur était touchée. The sister was very touched, was very affected. Elle est devenue amère. She became bitter. Elle n'a pas accepté. She could not accept it. Que ce sont des dirigeants. Since they are leaders. Et l'assemblée dans leur maison. And house churches in the house. Les voisins vous appellent pasteur. Neighbors are be calling you pastors. Et la fille du pasteur enceinte. And the daughter of the pastor is pregnant. Vraiment, la sœur avait grossi son cœur. The sister was very bitter. Quand la fille a accouché. When the girl gave birth, même pour accepter l'enfant, c'était difficile. Even to accept the baby, it was very difficult. Le jeune homme qui l'a accepté, elle a refusé de l'accepter. The young man who got the lady pregnant was not accepted by her. Et dans la même période, in the same period, une des sœurs qui loge chez eux, one of the sisters who loge in the same house with them, fait un songe. Had a dream. Dans le songe, in the dream. La sœur Nyeki était Nyeki, en train d'échanger violemment avec les parents du jeune homme en question qui enceintait leur fille. Was disputing with the parent of a young boy who impregnated her daughter. Et la maman du jeune homme avait un couteau en main. And the mother of the young man had a knife. Elle in a her lance, hand. Elle a lancé le couteau. She tossed the knife. Son mari, toujours dans le son, son mari, le frère Nyeki Didier, still in the dream, the husband, s'est interposé. Block the knife. Il est venu se mettre devant sa femme. He came to block, to put in front mais of à sa wife. Grande surprise, but to his great surprise, le couteau l'a dribblé et s'est planté dans la poitrine de la sœur. The knife passed around him and came to be in the chest of the daughter, of the donc, girl. De la sœur Angèle. In the chest of Sister Angèle. Quand la sœur s'est réveillée, when the sister woke up, elle a expliqué le songe. She explained the dream. Mais les frères certainement n'ont pas pris ça à cœur. But certainly they did not take it seriously. Les jours qui ont suivi, the following days, la sœur tombe malade, sérieusement malade. The sister fell seriously sick. Une maladie qu'on ne comprend pas. La tension est montée à 26. A sickness that you could not understand. A high blood pressure got to 26. Et elle faisait un genre de dépression. And she was starting losing memory. Une nuit. One night. Elle s'est réveillée. Elle est allée se coucher dans la cuisine. She woke up and go and get sleep in the kitchen. Son mari se réveille. Il la cherche partout dans la chambre, dans la maison. Her husband woke up and started looking for her in the il whole house. Il s'en va la trouver recroquevillée dormant dans la cuisine. And went and found her like that folding herself in the kitchen. Le frère lui demande, ma chérie, tu fais quoi ici? Her husband asked her, my wife, what are you doing here? Elle lui dit, ben je suis dans la chambre. She said, but I am in the living room. Vous voyez? Ça c'était juste un exemple. This is just an example. Quelqu'un qui se lève de la chambre conjugale pour aller se coucher dans la cuisine. The one who starts there from the bedroom. Pensant qu'elle dort dans la kitchen, chambre. Thinking that she was sleeping in the bedroom. Et c'était difficile. And it was difficult. À l'hôpital. At the hospital. C'était difficile. It was difficult.
Elle a vu en songe. She saw in a dream. Que son dirigeant, le frère Martin, était venu pour prier pour elle. That a leader, brother Martin, came to pray for her. Et dans le songe, elle était malade, paralysée. In the dream, she was sick, paralyzed. Et le frère Martin avait quelque chose comme de l'huile, comme un beurre de karité dans sa main. And brother Martin have something like oil in his hands. Il voulait appliquer ça sur elle pour la guérir. He wanted to apply upon her to heal her. Mais il ne réussissait pas. But he could not succeed. Il était en costume, il a enlevé même sa veste. He was in costume, he even removed his coat. Toujours dans le rêve. Still in the dream. Et quelque chose lui a dit. And something told him. La solution se trouve chez elle, chez elle-même. The solution is in herself. Il faut qu'elle prenne l'huile elle-même pour appliquer. Let herself take the oil and apply upon herself. Et le frère lui a donné l'huile. And the brother gave her the oil. Et elle s'est réveillée. And she woke up. Elle a eu à cœur les jours qui suivaient. Then the following day she had the idea. Elle devrait pardonner à sa fille. That she had to forgive her daughter. Elle devrait se repentir, pardonner à sa fille, au jeune garçon. Et à tous ceux qu'elle n'avait pas réussi à pardonner. And to repent and to forgive her daughter and the young boy and to all those who shall not be able to forgive. Et très tôt le matin, elle s'est débattue, elle s'est débrouillée pour aller, s'est efforcée pour aller dans la chambre de sa fille. And very early in the morning, she made an effort to go into the bedroom of her daughter. Se repentir auprès d'elle. To repent to her daughter. Lui dire qu'elle pardonne, accepte. And to tell her that I forgive you. Qu'elle pardonne aux jeunes tout ça. Then I forgive the young man. Frère. Brothers. C'était difficile. It was difficult. On m'avait même appelé, j'étais là, arrivé pour prier pour elle. I was even called, I even came to pray for her. Tu vas à l'hôpital, le lendemain tu retournes, on l'hospitalise, c'était difficile. You go to hospital, the second day you go. Dès qu'elle a fait la repentance. As soon as she repented. Elle se couche. She sleeps. Dans le songe, in the dream, elle se retrouve avec le couteau pique dans sa poitrine. She found the knife in her chest. Elle-même, elle saisit le couteau, elle l'enlève. Herself took the knife and removed it. Les jours qui ont suivi, elle est guérie. C'est fini. The following days, she was healed. Délivrée, radicalement délivrée. Radically delivered. Alléluia. Praise the Lord. Parce qu'elle a pardonné. Because she forgave, Dieu lui a donné la victoire sur l'œuvre de la sorcellerie. God gave her the victory over the work of et witchcraft. La voici parmi nous aujourd'hui. And you can see her among us today. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Que le nom du Seigneur soit béni. May the name of the Lord be blessed. Que le nom du Seigneur soit béni. May the name of the Lord be blessed. Nous voulons dire infiniment merci au Seigneur. You want to thank the Lord, mighty. Dis merci. Thank à Jésus notre Seigneur. To our Lord Jesus. Qui a été avec nous durant toute cette année. Who has been with us till the whole year. Qui nous a aidés. Who has helped us. Qui nous a rendus forts. Who has made us strong. Pour que nous puissions travailler pour sa gloire. For us to work for his glory. Nous disons merci à notre dirigeant. You thank our leader. Notre leader, le pasteur Meunier. Our leader, Pasteur Meunier. Qui nous a fait confiance. Who had confidence in us. Alléluia. Praise the Lord. Qui nous a fait confiance. He had confidence in us. Avec notre maman collègue qui nous ont fait confiance. And our sister, our mother, et qui savent que confidence. Les enfants sont à Yopougon et qu'ils sont en train de travailler. And they knew that the children were in Yopougon and they were working. Aujourd'hui, today, pendant que nous rendons gloire à Dieu, while we are giving praise to God, nous lui renouvelons notre consécration. We are renewing our consecration to Him. Nous renouvelons notre consécration à Dieu. We renew our consecration to God. Nous renouvelons notre consécration à nos parents, le couple Meunier. We renew our consecration to our parents. Pour leur dire qu'ils peuvent nous faire confiance, que nous sommes là. To tell them they can trust in us. Le dernier né de Yopougon sera gagné à Christ. Le dernier né. The last born of Yopougon is going to be won to Christ. Et chaque maison de Yopougon sera une assemblée de maisons. And each house of Yopougon is going to be an house church. Même les mosquées seront transformées en centre d'enseignement. Even alléluia. Even mosques are going to be transformed in centers of teaching. Nous sommes engagés. We are engaged. Et déterminés. And determined. Et nous croyons qu'avec la grâce de Dieu. And we believe that with the grace of et God. Et avec la prière de notre maman. With the prayer of our mother. Et avec la main levée de notre cher père. And with the lifted hand of our dear father. Le pasteur Boniface Meunier. Nous allons réussir.
will succeed. Nous allons réussir. Will succeed. Nous allons réussir. Will succeed. Que la gloire et la louange et l'honneur et l'exaltation soient à notre Dieu. Amen. Praise and glory to our God. Amen. Tu es mon pourplaqué, tu as pris soin de nous, Jésus, tu as pourvu à tous nos besoins. Comment ne pas t'adorer, te louer, nous voulons t'adorer toute nos vies, merci, le prince de paix, le Dieu des dieux, Jésus, je veux t'adorer toute ma vie, merci, pour tous tes bienfaits, merci, pour ta fidélité dans nos vies, Jésus. Seigneur, et nous te rendons grâce pour ton œuvre manifestée ici, démontrée ici par des nouvelles claires, chiffrées, exactes. Nous te bénissons, Seigneur. Amen. Amen. Merci, tout Dieu, pour ce jeune homme, ce frère que tu as délivré authentiquement en restaurant sa mémoire. Que l'honneur, la louange te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Nous appelons à cette tribune le pasteur Kwasi Jules François de la zone d'Anyama. We call on this stage pasteur Jules François from the zone of Anyama and let's clap for the Lord. Que le nom du Seigneur soit béni. May the name of the Lord be blessed. Et que le Seigneur vous bénisse. And may the Lord bless you. Nous voulons rendre grâce au Seigneur. We would like to give thanks to the Lord. Qui nous a fait la grâce, who gave us the opportunity, d'être au nombre, to be in the numbers, de ceux, of those, qu'il a enrôlé dans son œuvre, of those he has enrolled in his work. Nous bénissons son nom, we bless his name, et nous bénissons son serviteur, and we bless his servant, le pasteur Méné Boniface, pasteur Méné Boniface, et la sœur Colette, and sister Colette, pour la confiance qu'ils nous ont accordée, for the trust that they put, d'être aussi collaborateurs dans cette œuvre. In us, for us to be the collaborator in this work. Hallelujah! Praise the Lord! Nous voulons rendre grâce au Seigneur. We'd like to give thanks to the Lord. Parce que lorsqu'on finissait l'année 2019, that when we were closing the year 2019, nous étions dans la zone d'Anyama. We are in the zone of Anyama. Au nombre de 340 personnes. Our number in the zone disciples. In the zone of Anyama was 343 disciples. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Et à ce jour, and to date, Dieu nous permet d'être, the Lord allowed us to be, au nombre de 411 disciples. 411 disciples. Que le nom du Seigneur soit béni. May the name of the Lord be blessed. Offrande d'acclamation à Jésus-Christ. Le Seigneur nous a permis au cours de cette année 2020. And that the Lord blessed us all along this year 2020. De conduire 124 personnes aux eaux du baptême. To lead 124 people to the water of baptism. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Et avec notre l'équipe qui est derrière, with the team that is behind me, le Seigneur nous a permis de conduire à Christ 522 personnes. The Lord allowed us to lead to Christ 522 people. Et comme toute chose, en toute chose, il faut la prière et que toute chose est fondée sur la prière. And as any work is grounded on prayer, Dieu nous a bénis avec la grâce.
God has blessed us with the grace d'implanter trois chambres de prière. To plant three prayer rooms. Avec le soutien de la sœur Colette Meunier. With the help of Sister Colette Meunier. Hallelujah. Praise the Lord. Et nous croyons que le Seigneur permettra que les résultats soient encore plus abondants. And we believe that the Lord will allow that the result be abundant in the coming years. Au cours de cette année 2020, all along this year 2020, nous avons pu implanter 8 nouvelles assemblées. We've been able to plant 8 new assemblies. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Ce qui fait qu'aujourd'hui nous avons 19 assemblées dans notre zone. And that's why today we have 19 assemblies in our zone. Nous sommes infiniment reconnaissants au Seigneur. So we are grateful to the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Et nous, pour ne pas prendre trop de temps, we're not going to take long. Nous voulons partager brièvement, we would like to briefly share quelques témoignages que le Seigneur a accompli. A few testimonies that the Lord has accomplished. Un témoignage concernant le brisement des liens. One testimony concerning the breaking of evil ties. Un témoignage concernant la page imprimée, l'impact de la page imprimée. And another testimony about the impact of the printed page. Un témoignage concernant la foi à la prière de guérison. A testimony concerning faith in the prayer of healing. Et un autre témoignage concernant le brisement des liens. And another testimony concerning the breaking of evil ties. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Je vais donner la parole au frère Serge Ngbe. I'll give the floor to brother Serge Ngbe. Qui va brièvement nous rendre deux témoignages. Who will briefly share two testimonies. Sur le brisement des liens et ensuite sur la foi pour la prière de la délivrance. About the breaking of evil ties and then on the faith in prayer. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Notre Seigneur délivre. Our Lord delivers. Amen. Effectivement. Nous avons dans la zone d'alignement. Notre sœur Sophie Yen. We have in the zone of Yama a sister that is called named Sophie. De la grâce. The Lord granted her the grace d'être enceinte. To be pregnant. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Effectivement, durant son temps de grossesse jusqu'au 9e mois, during her pregnancy up to the 9th month, tout se passait très bien. Everything was doing well, going on well. Au 9e mois, at the 9th month, notre sœur ne sentait plus son bébé bouger. Our sister did not feel, could not feel her baby moving. Ce qui l'a conduit devant la sage-femme pour une consultation. So she went to see the midwife for a consultation. La sage-femme après la consultation, after the consultation of the midwife, a constaté que l'enfant avait une position siège, c'est-à-dire une position assise. The midwife noticed that the child in the baby in her womb had a position of sitting. Elle a décidé que cette grossesse était à risque, elle ne pouvait pas suivre la grossesse. Elle lui a donné une ordonnance pour aller consulter l'échographie. She decided that it was a risky pregnancy, so she gave an ordinance so that she could see a doctor. Effectivement, notre sœur a obéi. Elle allait voir le gynéco qui a effectivement fait l'échographie. So our sister went to see the gynecologist who made an echography. L'échographie a révélé effectivement que l'enfant avait une position assise. And the echography revealed that the child had a position of sitting. Notre sœur était effondrée. And she was really downhearted. Elle était en pleurs. She was
crying. Elle est rentrée. Elle nous a rejoint à la réunion de prière. Elle nous a partagé cela. She met us at the prayer meeting and shared it to us. Nous avons crié à Dieu. We cried out to the Lord. Et nous avons décidé de lui rendre le ministère de brisement de liens. And we decided to minister to her, breaking her evil ties. Effectivement, l'équipe de brisement de liens a été réunie et nous lui avons rendu le ministère. The team of the breaking of evil ties gathered and she was. A minister was given to her. La même nuit, in a night, notre sœur n'a pas vraiment dormi. Our sister didn't sleep. C'est-à-dire la nuit qui a suivi le brisement de liens. The night that followed the breaking of evil ties, she vraiment, didn't sleep. Elle a eu des mouvements de ventre, mal au ventre. She vraiment. Had some pain in the womb. Et le matin, and in the morning, elle nous a partagé cela. She shared it to us. Nous avons tout juste compris que le Seigneur agit. We just understood that the Lord worked. Elle allait consulter à nouveau. She went to see the doctor again. Et l'échographie a révélé que l'enfant a pris la position normale. And the echography revealed that the baby in the womb took the normal position. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Notre sœur, our sister, a accouché à voix basse. Delivered normally. Et l'enfant est bien portant et la mère aussi est bien portante. And the child is doing well, the mother also is doing well. Nous voulons être infiniment reconnaissants au Seigneur. We are greatly grateful to the Lord. Car il délivre. Because et he delivers and he heals. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Le témoignage sera au sujet toujours du ministère de délivrance. The second testimony is still about the ministry of deliverance. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Notre sœur, our sister, s'appelle la sœur Amélie Boifou. Named Amélie Boifou. Elle a cru il y a 6 mois. Believed 6 months ago. Et le ministère, le jeûne du ministère a été lancé. And the fasting of the ministry was launched. Elle s'est engagée dans le jeûne. She got committed in the fasting. Dès le premier jour, starting from the first day, dans la nuit du premier jour au lendemain, in the night of the first day, elle fait un rêve. She had a dream. Un songe, pardon. She had a dream. Et dans ce songe-là, elle voit sa famille qui vient la disputer. And in that dream, she saw her family coming to argue with her. Mais Amélie, pourquoi tu nous as quittés? But Amélie, why did you leave us? Ils lui ont fait des histoires. And they quarreled with her. Et quand elle s'est réveillée, when she got up, elle a commencé à avoir mal au ventre. She started to feel pain in her belly. Elle s'est rendue aux toilettes. She went to the toilet. Dès qu'elle s'est assise sur le WC, as soon as she sat down, elle entend une voix. She heard a voice. Et c'est la voix de sa mère adoptive qui est décédée. And it is the voice of her adoptive mother who is qui lui deceased. Dit, Amélie. She said, Amélie, tu ne sais pas que tu es notre esclave? Do you not know that you are our slave? Pourquoi tu as laissé mes enfants? Why did you leave my children? C'est toi qui dois les servir. You are the one who should serve them. Et notre a jugé cette voix. And she checked that voice. Et dès qu'elle a jugé la voix, as soon as she checked that voice, elle a senti quelque chose qui est sorti d'elle. She felt something that came out of her. Et quand elle s'est levée, and when she got up, elle a regardé. She looked. Elle a vu un liquide jaunâtre. She saw something that is yellow. Elle a compris. She understood que le Seigneur venait de la délivrer. That the Lord had just delivered her. Et nous a rendu ce témoignage. She shared this testimony to us. Et notre merveilleuse sœur. And our wonderful sister. Elle est parmi nous aujourd'hui. She is in our midst today. Elle a jeûné. She fasted. Elle a fait un jeûne de 21 jours. She fasted 21 days. Vraiment, elle est totalement délivrée aujourd'hui. She's totally delivered today. Elle est plus qu'engagée pour suivre le Seigneur. And she's committed to follow the Lord. Nous voulons être infiniment reconnaissants au Seigneur. We'd like to be grateful to the Lord pour sa main de délivrance. For his hand of deliverance. Qu'il a opéré. That he worked. Que son nom soit béni. May his name be blessed. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Et très brièvement, nous allons écouter un autre témoignage. Very briefly, we are going to listen to another testimony. Au niveau de l'impact de la page imprimée at the level of the dans impact, la vie des personnes à les conduire at the à Christ. Level of the impact of the printed page in the life of people that are to be led to Christ. Cela sera suivi directement. It will be directly followed by un témoignage by another testimony au niveau d'une chair qui a poussé concerning a flesh that came out sur un bras qui devait subir une greffe
a hand that was to be that they were to add something on. Et nous allons passer la parole au pasteur Didi. We will give the floor to Pastor Didi. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Pendant nos évangélisations au lycée d'Azagué. During the evangelization at the Azagué High School. Nous avons prêché l'évangile. We preached the gospel. Et des jeunes filles hésitaient. And young ladies were hesitating. Ensuite, then, elles ont décidé de rendre visite au pasteur. They decided to pay visit to the pastor. Et nous avons mis la vidéo sur le traité trop tard. And we put on the video, the tract too late. Après avoir regardé cette vidéo, after watching that video, l'une de ces jeunes filles a senti ma main sur sa tête. One of that young ladies felt her hand on her head, lui demandant de se donner maintenant à Jésus. Asking her to give her life to Jesus on the spot. Non, ma main n'était pas sur elle. Je précise que ma main n'était pas. Elle a senti ma main sur sa tête et elle a reçu que je lui demandais de donner sa vie à Jésus maintenant. I would like to precise that my hand was not on her, but she felt my hand on her head, and that I was asking her to give her life to Jesus on the spot. Elle a dit à ses camarades, dites au pasteur que je vais me repentir maintenant. Je ne peux pas sortir de la maison sans faire ma repentance. She told her friend to tell the pastor that I would like to repent now, that I will not get out of this house without repenting. Et je l'ai conduit à la repentance. I led her to repentance. Elle a été baptisée. She was baptized. Et elle est parmi nous aujourd'hui. And she is in our midst today. Ensuite, then, trois de ses camarades qui étaient avec elle, three of her friends that were with her, elles ont fait leur repentance, elles ont été baptisées, elles sont avec nous aussi. They repented and got baptized and they are also with us. Amen. Amen. J'ai aussi reçu la visite du petit frère de ma femme, mon beau. I also un autre témoignage. Another testimony. I received the visit of my brother-in-law. Il était malade. He was sick. Il était à Ashma. He was in Ashma, an hospital. Et on lui a enlevé la chair sur son bras parce que la chair était pourrie. There a part of the flesh on his hand was rotten, so they removed it. Et le chirurgien lui a promis une greffe de peau. And the surgeon promised that he will put another skin on it. Le pasteur Nadia et moi, nous avons prié. Pastor Nadia and I, we prayed. Et nous lui avons dit que sa chair allait pousser. And we told him that his flesh will grow. Il a cru à ça. He believed this. Et la chair a commencé à pousser. And his flesh started growing. Quand le chirurgien est venu, when the surgeon came, il a enlevé une partie des chiffons et il a vu que la chair avait commencé à pousser. He removed the cloth that was there and saw that the flesh started to come out. Il a dit, he said, que ce n'était plus possible de faire la greffe de peau. That la greffe de chair. That the operation that he was to do was no more possible. Et toute la chair a poussé par la suite. And all the flesh came out after. Il a promis de donner sa vie à Jésus. He promised to give his life to Jesus. Après sa guérison. After his healing. Il a obéi. He obeyed. Il est retourné à Divo. He went back to Divo. Il est parmi les vaillants. He is among the mighty men. Et aujourd'hui. And today. Il sert le Seigneur. He serves the Lord. Comme missionnaire. As a missionary. À Daboyo. In Daboyo. Proche de Geyo. Which is near Geyo. Nous voulons dire merci au Seigneur pour cela. We'd like to give thanks to the Lord for that. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Et nous voulons rendre grâce au Seigneur. We'd like to give thanks to the Lord. Pour toutes les autres choses qu'il a faites. For all the other things that he did. Et pour les dirigeants suscités au cours de cette année. And that for the leaders that were raised all along this year. Hallelujah. Praise the Lord. Nous voulons le bénir. We'd like to bless him. Et c'était là notre
compte rendu. This is our account. De ce que le Seigneur a fait. About what the Lord did. Au travers nous et cette équipe. Through us and this team. Qui est devant vous ce jour. Which is before you today. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless Amen. You. Amen. Amen. Tu as guéri les malades parmi nous. Ressuscité les morts. Tu as ajouté des âmes à notre nombre. Comment ne pas te louer pour tes grands bienfaits que tu as accomplis dans l'église jour après jour. Nous voulons te dire merci pour tes bienfaits. Merci à toi la gloire Seigneur. À toi l'honneur, à toi l'élévation. Merci pour nous. Dirigeants de la zone de Benjamin et de Soussan. Alléluia. Amen. Nous appelons également la sœur Rebecca Kwame. We are calling here sister Rebecca Kwame. Le frère Tan Simon et sa femme Nyango Tatiana. Brother Simon and his wife. Et c'est pour leur témoignage qu'ils viennent juste pour se présenter ici. For the testimony, we just need them to come and introduce themselves here. Hallelujah! Amen! Nous sommes vos frères. We are your brothers. Que vous avez envoyé à Benjaville. That you sent in Benjaville. Pour servir le Seigneur. To serve the Lord. Et nous voulons ici vous présenter le fruit de ce travail. And we want here to present you the fruit of the work. L'année 2020. In the year 2020. A été une année particulière. Has been a particular year. Avec la COVID, with the COVID, nos programmes ont été beaucoup aménagés. Our program have been really changed. Mais le Seigneur, but the Lord, ne compte pas sur ces choses. Is not regarding this. Il nous a surpris agréablement. He joyfully surprised us. Je peux même dire que c'est le plus grand miracle que Dieu a opéré pendant ce temps-ci. I can say that is the greatest miracle that the Lord did during this period. Suivons ensemble les chiffres. Let's follow together the figures. Au 31 décembre 2019. On 31 December 2019. Nous étions 1190. We were 1190 membres. Members. À ce jour. Today. Nous sommes 1515. We are 105. We are 1,550. Soit une addition de 325 frères. It means we are offrande d'acclamation à Jésus. 320 brothers. Alléluia. Amen. Au niveau des assemblées. Regarding the assemblies. Quand la situation de la COVID est arrivée. When the situation of the coronavirus arrived. Notre leader. Our leader. Avec toute sa clairvoyance. With all his clear seeing. Et sa sagesse. And his wisdom nous a dit que les familles adorent chez elles. Told us that families should worship in the houses. Quelque temps après, times later, ces familles ont désiré les assemblées soient implantées chez elles. Those family desired assembly to be planted in the houses. Offrande d'acclamation à Jésus. Alléluia. Applaudissons pour Jésus-Christ. Et donc, acclamons Jésus-Christ. Alléluia. Let's clap for Jesus. Applaudissons encore Jésus. Let's clap again for Jesus. Applaudis. Clap. Acclame. Clap.
Amen. Clap for Jesus. Donc de 24 assemblées qu'on avait de maison, église de maison. So from 24 house churches that we had. Nous sommes passés à 58 églises de maison. We have passed to 58 church houses. Offrande d'acclamation à Jésus-Christ. Clap for Jesus. Soit 34 nouvelles assemblées de maison implantées. This means more 34 assemblies. Nous avons enregistré 350 baptêmes. We have registered 350 baptisms. Acclamation à Jésus-Christ. Acclamation. Let's clap. Jésus-Christ. For Jesus. Au niveau des brisements des liens, on a réussi 366 brisements des liens. Regarding the breaking of evil ties, we have registered 366 brisements des liens. 66 breaking of bad ties. Le Seigneur nous a fait la grâce. The Lord has given us the grace. Sous la direction de la sœur Colette Meunier. Under the direction of Sister Colette Meunier. Aidée par la sœur Élise dans la zone de Benjaville. And helped by Sister Elise in the zone of Benjaville. Nous avons implanté 27 chambres de prière. We have planted 27 prayer houses. Il y a eu 4 mariages. There have been 4 marriages. Et 76 dirigeants ont été promus. And 76 leaders have been promoted. Il y a eu 4 naissances. There have been 4 births. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Let all the glory be for God. Voilà comment le Seigneur a été très bon avec nous. This is how the Lord has been very good with us. Et nous allons à présent écouter les témoignages pour clôturer. And we will close with the testimonies. La sœur Rebecca. Sister Rebecca. Était là. La sœur Rebecca. Ok. On va parler avec le frère là, Tango Simon et Nyango Tatiana. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Je suis le frère Kofi Ineka Michel. I am brother Kofi Ineka Michel. Je suis de la zone de Benjerville. I am from Benjerville. Pendant mes évangélisations personnelles, during my personal evangelizations, j'ai croisé 4 couples. I met 4 couples. Entre guillemets, je dis bien entre guillemets parce que ce sont des couples qui n'ont pas, les femmes ne sont pas dotées. I put into brackets because donc, there are couples. Ces couples vivaient dans la fornication. Who are not married? They were living in fornication. Mais après l'évangélisation, ils ont désiré venir à Christ. But after my gospel, they desired to come into Christ. Et jusqu'à ce jour, il y a 2 qui ont pu doter leur femme, et je suis en train de suivre les 2 autres. And today, the bride price has been paid. Mais ce couple que vous voyez là. Derrière but the moi, couple you can see here behind me, Tan et Tatiana, quand Tan je les croisais, Tatiana, when I met them, ils étaient sur le point de se séparer. They were about to get separated. D'abord, c'est la femme que j'ai croisée. I first met the lady. Quand elle a entendu l'évangile, when she heard the gospel, elle m'a dit, pasteur, she said, pastor, moi, je veux aller au village. Me, I want to go je to ne veux village. Plus me marier. I don't want to get married anymore. Je lui ai dit de se calmer. I ask her to keep et quiet. Et que Jésus-Christ était Seigneur et qu'il pouvait tout faire because pour qu'elle Jesus puisse réussir son mariage. Is Lord and can do everything so that she'll succeed in a marriage. Mais les deux devaient se séparer. But the two of them were to get separated. Et elle a accepté. And she accepted. J'ai croisé le mari. I met the man. C'est un tapissier. He was an armchair maker. Mais à cause des crédits, because of credits, les toiles d'araignée ont pris tout son atelier. Il pouvait plus travailler. Because of credit, he was not able to work anymore. Et je lui ai prêché l'évangile. I preached the gospel to him. Et il a accepté. And he accepted. Il a aussi accepté la séparation. He also accepted to get separated with her. Les gens qu'il devait, people he owed, le prophète qui était avec lui, the prophet who was with him, lui a dit de fuir.
ask him to de fly. Ne pas payer les 4 millions qu'il devait à ces personnes. And not to refund the 4 million that he owed those people. Mes frères, but brothers, ce couple qui est derrière moi est riche. The couple who is behind me is rich. À cause de Jésus-Christ. Because of Jesus Christ. Quand nous avons commencé à chercher l'argent pour que la femme soit dotée, when we starting looking for money for him to pay the bride price for the lady, nous avons eu plusieurs obstacles. We had lot of obstacles. Et dans ces obstacles, au cours de ces obstacles, among which, le père de la femme n'a pas voulu qu'on dote sa fille. The father of a girl, of a lady, didn't want his girl to be married. Mais je lui ai dit, but I told him, de tout faire, to do everything, et d'accepter, and to accept, que Christ était avec son enfant. Because Christ is with his child. Et il a accepté. And he accepted. Dan a été béni. Dan has been blessed. Quand il a donné sa vie à Jésus. When he gave his life to Jesus. Il a payé les 4 millions qu'il devait aux gens. He refunded the 4 million that he owed people. Applaudissons. Let's clap. Let's clap. Et il n'a pas acclamons. Let's give a round of applause. Est-ce qu'il y a une différence? Is there any difference? Acclamons. Let us applaud. Est-ce qu'il y a une différence entre acclamer et applaudir? Is there a difference between clapping? Applaudissons. Applauding. Acclamons. Alléluia. Il n'a pas fui. He did not fly away. Comme le prophète l'avait dit. As the prophet advised. Et il a payé ses dettes. But he has refunded his debt. Et il a doté sa femme. And he has married his wife. Aujourd'hui, ils sont ensemble. Today they are together. L'atelier est plein de meubles. The shop is full of furniture. Lui-même, il refuse les travaux. He himself are refusing works. Je voudrais rendre gloire à Dieu. I would like to give a praise to the Lord. Pour tout ce qu'il a fait. For all that he has done. Il y a eu un deuxième couple. But had been a mais qui n'est pas là aujourd'hui. A second couple who is not here today. Qui a aussi fait la dot. Who also get married. Je voudrais dire merci à Dieu. I would like to thank God. Qui a passé par ma modeste personne. Who has used my simple people. Pour sauver ces personnes. To save these people. Qu'ils allaient directement aller en enfer. They would have gone directly to hell. Que sa gloire, que la gloire, may the glory et l'élévation, and the elevation soit lui au nom de Jésus. Be his, amen. In the name of Jesus. Amen. La sœur Rebecca. La sœur Rebecca que vous voyez ici. Sister Rebecca that you can see here. Elle vient de très loin. She's coming from very far. Elle était numéro 2 prophétesse dans une église. She was the second prophetess in a church. Et elle faisait des grandes révélations. And she used to have great revelations. Mais elle était malheureuse et pauvre. She was unhappy and very poor. Et dans la quête de la soif de ce vrai Dieu là. And in the quest and the thirsty of his sovereign God. Elle a rencontré le frère Frondo. She met Brother Frondo. Et le frère Frondo l'a conduit directement chez moi. And Brother Frondo led directly to me. Et les choses ont été très vite accélérées. And things has gone very fast. Frère. Brothers. Elle a eu sa dernière fille, l'enfant avait 9 ans, elle ne pouvait plus enfanter. After her first daughter who had 9 years, she could not give birth to any other children. Tout était bloqué en elle. Everything was blocked in her. Pourtant, grande prophétesse. While a great prophetess. Et quand elle a reçu le baptême, ou alors le baptême de la repentance. When she received a baptism of repentance. Frère. Brothers. Les jours qui ont suivi. The following days. Un miracle s'est produit. A miracle happened. Elle a pris une grossesse. She was pregnant. Après 9 ans. After 9 years. Il y avait un système dans ses comment on appelle ça? Les calculs urinaires gauche étaient bouchés. She has calculs
in her left part. Ça faisait très mal, frère. It was very painful. Plusieurs examens. Lot of examinations. Plusieurs soins. Lot of heals. Mais quand elle a fait son baptême dans les eaux du baptême. In the water of the baptism. Dans les eaux du baptême. In the water of the baptism. Pendant qu'elle était sous l'eau. While she was under the water. Dieu l'a délivrée dans les eaux du baptême. God delivered her. La guérison s'est opérée dans les eaux du baptême. She was ill in the waters of her baptism. Et ainsi la voie était ouverte pour qu'elle prenne une grossesse aisément. And the way was open for her to get pregnant easily. Le bébé aujourd'hui. The baby today. Il appelle bébé CMCI. I call him baby CM5. Elle a 3 ans parmi nous. She had 3 years among us. Que toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ. Let all the glory be for Amen. Jesus. Amen. Nous disons merci à Dieu qui a été bon depuis le 1er janvier jusqu'à cette heure-ci, qui nous a soutenus dans la zone. Il a été là. God who has been good to us from 1st January till today, that he supported us in our zone. Il nous a guéri, nous a soutenus. He healed us and supported us. Que la gloire lui revienne. May the glory be his. Amen. Amen. Seigneur éternel, merci beaucoup pour ton œuvre à Bengerville, pour ces grandes choses. Nous sommes dans la joie. Merci Seigneur. Amen. Le pasteur Touali de la zone d'Abobo se prépare déjà à avancer. Seigneur, nous te bénissons pour notre merveilleuse soeur que tu as délivrée, Seigneur, de la stérilité, Seigneur, depuis plusieurs années. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour les 350 baptêmes, Seigneur. Et les 348 brisements de liens de la zone de Bengerville. Gloire à ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Nous voulons dire merci au Seigneur. We'd like to thank the Lord. Qui nous a fait grâce. Who has blessed us. D'être envoyé à Abobo. He sent to Abobo. Et nous disons merci. And we thank à nos parents, our parents, qui ont compté sur nous. Who trusted in us. Alléluia. À Abobo. In Abobo. Nous sommes. We are. À 2947 rubis. 2947 sheep. Nous étions au début de l'année. At the beginning of the year, we were 2742. We were 2742 sheep. Donc nous sommes passés à la croissance de 205 baptêmes. So we had 205 baptisms. Les assemblées. 108 assemblées. Applaudissons. 108 assemblées. Acclamons. Pendant toutes les crises. During the crisis. À Abobo, Dieu nous a bénis. God blesses us in Abobo. Alléluia. Praise the Lord. Dieu a été avec nous. God was with us. Abobo, il y a in Abobo, 7 sous-centres. We have 7 sub-centers. Avec 7 dirigeants. With 7 leaders. Aujourd'hui, today, nous sommes là. We are here. Dire to tell you ce que Dieu a fait. What God has done. Je ne veux pas dire certains détails. I do not want to give some details. Nous avons commencé. We started. Avec 27 assemblées. With 27 assemblies. Nous sommes aujourd'hui. And today. À 2947. 108 assemblées. 108 assemblées. 108 assemblies. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. This is the work of the Holy Spirit. On peut acclamer le Seigneur. You can clap for the Lord. Au niveau de la prière, at the level of prayers, nous avons, we have, par la grâce de Dieu, by the grace of God, à travers la sœur Colette,
through Sister Colette, qui est venu, came, a implanté 10 chambres de prière. To plant 2-10 prayer rooms, qui fonctionnent très bien, which work normally. Alléluia. Le jeûne, at the level of fasting, cette année, this year, 40 jours, 40 days, il y a eu 61 personnes. 61 people went to 40. Alléluia. Complete the fasting. Applaudissons. Acclamons. Offrande d'acclamation à Jésus-Christ. Brethren, à Bobo, in Abobo, Dieu travaille. God works. Chose qui est faite, one thing that is done, c'est que nous avons 12 assemblées pour des agneaux. That we have 12 assemblies for children. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Exceptionnellement, ce 24 nuits, exceptionally on le 24 nuits, on December the 24th, ces enfants, these kids, nous ont émerveillés. Marvel us. Nous savions que la relève est en train de se préparer. And you could say that the future is getting prepared. Alléluia. Brisement des liens, les délivrances, nous avons at the level of breaking of our ties, 260 brisements de liens. We got 260 breaking of our ties. Alléluia. On aura tout à l'heure deux témoignages poignants. Just after that, we are going to have two powerful testimonies. Qui sera donné par un dirigeant. Which are going to be given by a leader. Alléluia. Cette année, les mariages. This year, at the level of marriages. Il y a eu 35 mariages. 35 marriages. Alléluia. Clap for the Lord. Alléluia. 35. 35 weddings. Les naissances. Births. 33. 33 births. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Nous allons passer. We are going to the offerings. 50 sommes. 50 millions. 787,000 and 1,000. Amen. Amen. Et que nous allons passer aux deux témoignages. I'm saying that we are going to listen to the two testimonies. Pasteur Alou. Pasteur Alou. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Et les témoignages que je vais rendre, the testimonies that I'm going to give, touchent premièrement le brisement des liens. The first one is concerned the breaking of your ties. Et ensuite le miracle que Dieu opère. And then the miracle operated by God. Quand une âme accepte de faire la repentance et le baptême. When somebody accepts to repent and to go into baptism. Le brisement des liens. For the breaking of your ties. Il s'agit d'une jeune sœur. It's about a young lady. À qui nous avions prêché l'évangile il y a de cela 4 ans. When you preach the gospel, you have been preaching the gospel for 4 years. Mais elle s'était fâchée contre nous. And she got annoyed against us. Quand on avait insisté sur la fornication. When we insisted on fornication. Et c'est 4 ans plus tard. And then 4 years later. Elle m'a appelé. That she called me. Et elle me disait. And she was telling me. Que puisque ses sœurs sont de la CMCI. Since her sister are members of CMFI, elle priait avec elle le soir lorsqu'elle revenait de la croisade de l'Université de la Principauté. She had been praying with them every night when they were coming from the crusade of the overthrow of principalities. C'est alors qu'une nuit pendant qu'elle dormait,
Then at that moment, one night, while she was sleeping, she had a dream. Dans lequel elle voyait du pus qui sortait de son sein gauche. In which she can see some dew coming from her left breast. Il faut dire qu'avant cela, un an plus tôt, elle avait commencé à sentir des douleurs au sein. Let's say that 1 year before she had started to have some pain and breast. Donc elle consultait régulièrement un médecin qui lui donnait des médicaments. So she had begun to consult medical doctors who had been giving her. Et après le songe, elle m'a fait appel. 4 ans plus tard, elle a eu mon numéro, elle m'a fait appel. Then after the dream, 4 years later, she had my number and she called me. Et elle m'a expliqué le songe. And she explained the dream to me. Et cette fois-ci, je n'ai pas eu à prêcher. Elle a décidé de donner la vie à Jésus. And that time, I did not preach. And she decided to give her life to Jesus. Frère, quand on a fait la repentance un lundi, so when she repented one Monday, le mercredi qui suivait, elle a été baptisée. The following Wednesday, she got baptized. Quand elle est sortie de l'eau, elle m'a dit, Pasteur, les douleurs au sein sont finies. When she got out of the water, she said, Pastor, the pains from my breast are finished. Alléluia. Et 2 semaines plus tard, elle allait voir son médecin. And 2 weeks later, she went to consult. Le médecin était surpris d'entendre que la douleur était finie. The medical doctor was surprised to hear that the pain was finished. Et c'est là qu'il lui a révélé qu'elle souffrait en réalité d'une tumeur au sein. And it was at that time that she was revealed by that she was suffering from a tumor. Mais qu'il lui avait caché cela et que même les médicaments qu'il donnait, c'était pas pour la soigner, c'était juste des antidouleurs. And he hid it. But all the tablets, the medicine that she had been taking is just to calm the pain. Elle a été guérie depuis lors jusqu'aujourd'hui. Then since that day, she has been healed. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Les temps qui ont suivi ont fait le brisement des liens. The following day, she went through the breaking of her ties. Le songe qu'elle a fait juste après, elle disait que dans le songe, the dream that she had just after the breaking of her ties, elle avait un mari de nuit et un foyer spirituel avec des enfants qu'elle voyait très souvent en songe. She had a husband in night. And with a wedlock and with spiritual children. Mais ce jour-là, le mari de nuit avec tous les enfants se sont mis devant la porte et l'ont chassé. And that day, the husband at night and all the children got present in front of the house and chased her out. Le mari de nuit et les enfants disent qu'ils ne veulent plus d'elle comme épouse, comme mère. Ils ont même arraché la bague qu'il avait mis au doigt. The children and the husband at night chased her. They said they do not want her anymore as wife and as mother. Alléluia. They even removed the ring. Et un fait marquant, c'est que le jour qui suivait, elle était dans son magasin, elle vendait. Une femme s'est présentée à elle, disant qu'elle voulait des chaussures. And one thing that is very important is that one morning, while she was in a warehouse selling, a woman came and said she wanted to buy shoes. Mais la femme a refusé d'entrer dans le magasin. But the woman refused to enter the warehouse. Pendant que la jeune sœur allait prendre la chaussure pour lui présenter, while the young lady was going to take the shoes to present her. Elle avait sa Bible en main. Elle lisait la Bible. She was reading a Bible. Frère, la femme tout d'un coup s'est mise à crier. Elle a mis les mains sur les yeux, criait. The woman started crying, putting her hand on her eyes and started crying. Et elle disait que la jeune fille a mis des flèches dans ses yeux. And telling that the young lady put arrows into her eyes. La sœur était paniquée parce que là, elle ne voit pas quelle flèche elle a mis dans ses yeux. The sister was even panicked because she could not see that any arrow that she put into her eyes. Quelques instants après, la femme enlève les mains, frère, c'était du sang qui sortait des yeux de la femme. Sometime later, when the woman removed her hands, it was the blood that was coming out of her eyes. Elle criait tellement que quelqu'un l'a mis dans un taxi, elle s'est évanouie dans la nature. She was crying in such a way that somebody put her in the taxi, let her go. Et la sœur dit, le lendemain soir, on les appelle quoi de Boaké pour leur dire qu'elles ont une tante qui le matin se plaignait des douleurs aux yeux. And the sister called that in the evening they called her from Boaké telling that one of her aunts was complaining about eyes pain. Et le soir, c'était effectivement du sang qui sortait des yeux de cette dame depuis Boaké. In the evening it was actually blood coming from the house of that aunt. La sœur comprenait juste que Dieu venait de la délivrer, non seulement de la guérir, mais de la délivrer de la sorcellerie en live. The sister could understand that not only God has healed her, but God also delivered her from a witchcraft. Alléluia. Amen. Et elle demeure avec nous. And then she's still in God with us. Le deuxième témoignage, the second testimony, c'est d'un frère que nous avons gagné.
Un frère que nous avons gagné il y a de cela quelques deux mois. The brother that was won to Christ about 2 months ago. Quand nous sommes rencontrés, il était vraiment misérable. When you met him, he was living in misery. Il m'a dit qu'en septembre passé, il s'était rendu à Sassandra et c'est là-bas qu'il a commencé à avoir un mal au ventre. He told me last September he went to Sassandra and he over there they started pain, having some pain in the stomach. Et tous les soins que son père a fait là-bas étaient vains. Now, all the medicine that his father gave him was in vain. Sa sœur même était morte dans les mêmes conditions, étant maigrie. His sister died in the same condition, being thin, losing weight. Et frère, il dit qu'il était un jour assis avec son père causant et ses yeux spirituels et ses oreilles se sont ouverts. He said that one day he was sitting with his father, talking when his spiritual eyes and ears were open. Et c'est là que spirituellement, il a vu sa belle-mère, l'épouse de son père, avec d'autres personnes qui étaient en train de comploter spirituellement, qui disaient qu'ils allaient le tuer comme ils ont tué sa sœur. It is at that moment that he could see, he could hear that his mother-in-law, the wife of his father, with other people were complaining against him that they would kill him as they killed his sister. Et frère, pendant ces deux mois, jour pour jour, jour comme de nuit, ces personnes venaient le menacer. And during those 2 months, day after day, those people were coming to threaten him. C'est lui seul qui les voyait. It was the only one who could see them. Il est venu à Abidjan. He came to Abidjan. Le collège de sorcellerie qui l'oppressait là-bas s'est ajouté à ceux de son quartier à Abidjan. A college of witchcraft from his village and those from Abidjan joined to oppress him. Et il les voyait dans sa chambre, dans les bacas, dans les bus, partout où il va, ils le suivent. And could see him in the buses, in his room, and everywhere where he was going. Il dit certains se transformaient en serpents, d'autres étaient moitié homme, moitié animal. And some were transformed in snakes, some were mean men, mean animal. Et le jour où on s'est rencontrés, and the day you met, je lui ai annoncé l'évangile. I preached him the gospel. Et il avait reconnu qu'il était vraiment misérable, ses péchés, lui-même pratiquant la sorcellerie, tout ça. And he acknowledged that he was miserable, practicing sin. And he was also a witch. À notre seconde rencontre, c'était la repentance. At our second meeting, it was repentance. Et il me dit, pasteur, depuis chez moi jusqu'à ici, ils me suivaient. Ils se sont juste arrêtés à la porte parce qu'ils ne pouvaient pas entrer là où tu es. He said, pastor, from my house to your place, they were after me. But they just stopped at the doorstep because they could not enter your house. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Donc après la repentance, after repentance, le jour qu'ils se m'appellent, me dit pasteur, je les vois plus, mais je les entends de loin, ils me disent, ils s'en vont. The second day, the following day, he said, pastor, I could not see them anymore. But I could hear them from far saying that we are going. Et le 27 novembre passé, and on November 27th, à 20h, at 8 p.m., nous avons fait le baptême. He want to baptize him. Nous avons prié que Dieu bouche les oreilles spirituelles qui lui ont été données. You ask God to block the spiritual ears that was given to him. Et que les yeux spirituels soient frappés d'aveuglement et cassés. That the spiritual eyes should be blocked also, so that they become blind spiritually. Cette même nuit, and that same night, il me dit qu'il a dormi pour la première fois après plusieurs mois comme un bébé. He said that he slept after several months as a baby. Il avait même quitté sa chambre parce qu'il fallait qu'il soit avec des gens pour être un peu en paix. He even left his room because he said that he had to be with people to be at rest. Je lui ai dit retourne à ta chambre. I asked him to go back to his bedroom. Et jusqu'à aujourd'hui, il dort dans sa chambre. Il dit il ne les voit plus, il ne les entend plus. From that day until today, he had been sleeping alone in his bedroom, seeing in no one. Je voulais vraiment rendre grâce au Seigneur. I just want to thank God. Parce que moi, au début, je pensais à une dépression. Because at the beginning, I just think about depression, memory loss. Mais il était tellement lucide et cohérent dans ses dits que j'ai compris que c'était de la sorcellerie. But he was coherent and very logic in saying that I could understand that it was witchcraft. Et Jésus-Christ qui délivre toujours là authentiquement délivré. Hallelujah. And Jesus Christ, who has been delivered him authentically. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. May the love of the Lord be blessed. Amen. Gloire à Dieu. Praise the Lord.
Cette équipe que vous voyez, this team avec that you moi, could see with me, on est pasteurs, are pastors que Dieu a utilisé à Bobo. That God has used in Abobo. Beaucoup de choses. Pour accomplir beaucoup de choses. To accomplish many things. Des miracles. Miracles. Il y en a suffisamment. There are many miracles. Ceux qui ont réussi au concours. Those who succeeded. Ceux qui ont été promus. Those who got promotion. Il y en a suffisamment. We have many. Et je voudrais brièvement. I just want to dire. Say aux frères, to brothers, qui ils sont, who they are. J'ai dit que tout à l'heure il y avait 7 sous-centres. I just said that we have 7 sub-centers. Alléluia. Praise the Lord. Le temps est contre nous. Because of time limit, on n'aura pas le temps. We do not have time. On dit merci au Seigneur. Just want to thank the Lord. Qui a été avec nous, has been with us, qui nous a soutenus, has supported us, malgré tout, despite everything, qui a produit beaucoup de miracles, God made many miracles. La gloire lui revient. Praise His name. Au nom de Jésus Christ. Jesus name. Amen. Amen.